Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir récupérer des défis. Parce que regardez, moi j'ai fini tous les défis de tous les personnages, il m'en manque juste un que je ne peux pas faire parce que les détours sont désactivés. Mais voilà, là j'ai terminé tous les défis de tous les personnages, donc je n'en ai plus qui sont proposés juste ici en dessous. Alors il est marqué « Obtenez une quête auprès d'un personnage ». Donc pour débloquer de nouvelles quêtes, il va falloir que j'aille parler au personnage qui se trouve juste ici. Donc pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages de Fortnite saison 8. Et là, en fait, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous rendre à l'un de ces personnages-là et parler au personnage. Donc là, c'est ce que je vais faire pour débloquer de nouvelles quêtes. Et bien entendu, à chaque fois que vous allez recevoir des nouvelles quêtes, la première étape du défi, c'est sur 5 étapes. Donc la première étape vous rapporte 12 000 si je me trompe pas, ensuite c'est 14 000, 16 000, 18 000 et 20 000. Donc la cinquième étape du défi, donc le cinquième défi, c'est un défi légendaire qui vous rapporte 20 000 XP. Donc le premier c'est un défi commun, puis rare, atypique, puis rare, puis épique et puis légendaire. Voilà, c'est dans cet ordre là. Donc si vous voulez vraiment tryhard les défis et gagner max d'XP, ben c'est à chaque fois faire tous vos défis et à chaque fois aller reparler au personnage pour redemander de nouveaux défis. Alors il y a plusieurs solutions pour parler au personnage, donc là je vais vous les présenter toutes maintenant tout de suite. Donc là regardez, je vais aller parler au personnage qui se trouve juste ici, je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Amanit. Voilà, c'est Amanit, regardez, je lui parle et là je lui demande une quête, donc c'est de détruire un tracteur. Donc moi j'ai déjà réalisé ce défi, je vous ai déjà fait un tuto sur tous les défis de tous les personnages. Donc là regardez, j'ai enclenché les défis d'Amanit, donc là j'ai juste à refaire tous les défis que j'ai fait. Donc l'étape 1, 2, 3, 4, 5 et débloquer un max d'XP et un max de lingots d'or. Mais c'est pas la façon la plus facile pour déclencher des quêtes. La façon la plus facile et la plus rapide pour récupérer des quêtes en illimité, à l'infini, et gagner des XP en illimité et à l'infini, c'est d'aller parler au téléphone. En fait, si vous allez décrocher un téléphone sur Fortnite, vous avez plusieurs personnages qui vont vous parler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher une map avec tous les emplacements des téléphones de Fortnite. Comme ça, vous aurez plus facile à les trouver. Donc là, je vais prendre un téléphone. Je décroche le téléphone et là j'ai des quêtes de tous les personnages. Donc je vais accepter les quêtes qui m'intéressent. Par exemple celui de Monsieur Singe. Non, je vais prendre celui de Fabio parce que si je me souviens bien, non c'est Chimpanzé. Voilà, il faut que je fasse, j'accepte les quêtes de Chimpanzé. Donc c'est celui-ci, hop. Je les accepte. Regardez, j'ai une quête quotidienne dans ma quête à remplir, dans ma carte à remplir quotidienne. Je dois accomplir 3 quêtes de JB Chimpanzé. Enfin, Chimpanzki là, je sais pas quoi. Donc là regardez, j'ai débloqué, en lui parlant au téléphone, j'ai débloqué 5 nouveaux défis du personnage. Donc après, je ne peux plus parler, je crois. Je ne peux plus parler. Donc je dois aller à un autre téléphone. Donc là, ben, c'est pas très compliqué. Hein. Je vais tout simplement à un autre téléphone qui est juste à côté. Et là, je vais accepter une quête d'un cinquième personnage. Donc je vais prendre celui-là, la licorne. Hop, j'accepte. Et voilà, j'ai encore 5 nouveaux défis qui viennent de s'afficher. Et en fait, regardez au-dessus de quête de groupe. Il est marqué 5 quêtes sur 5 quêtes. Vous ne pouvez avoir de défis que de 5 personnages à la fois. Quand vous aurez terminé les 5 défis d'un personnage, vous pourrez parler à un autre personnage ou appeler à un autre personnage au téléphone pour débloquer 5 nouvelles quêtes. Et comme ça, vous allez pouvoir faire des XP en illimité très facilement et très rapidement. Et dernière petite information aussi, si maintenant vous ne voulez plus un défi de une personne, par exemple je ne veux plus les défis de Johnny Z le plongeur, et ben je maintiens triangle pour retirer la quête. Donc hop, je maintiens triangle et là il me demande si je veux vraiment retirer la quête. Donc j'accepte et là je peux parler à un autre personnage pour débloquer d'autres défis. Donc voilà pour cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakulMec et ciao, peace.